Marcus. Super Pat. À chaque avant-première, c'est la même joie pour les petits fans de la Pat' Patrouille. À Lille, ils sont accueillis par leurs héros, des chiots dotés de super pouvoirs. À chacun son préféré. Rocky, Stella, Marcus. Et c'est parti. Il a dit croquette. Non, j'ai dit roquette. Oh. Bienveillance, amitié, entraide, ce sont les valeurs défendues par la Pat' Patrouille et sûrement l'un des secrets du succès. Quand tu t'en prends à l'un d'entre nous, tu t'en prends à nous tous. C'est parti. Lior et Liam vivent au rythme de la Pat' Patrouille. Dans leur salon, ils regardent en boucle le premier film sorti il y a 2 ans. Qui c'est qui va aller sauver Ryder, là? Hein? Yes. C'est son premier film au cinéma. Lui, il aime depuis 5 ans, et lui, depuis qu'il est né. Lui, il a grandi vraiment avec, il lâche pas l'affaire. Peluches, figurines, jeux, dans la chambre des enfants, les produits dérivés s'entassent. La Pat' Patrouille, c'est plus qu'un dessin animé, c'est une marque. Au niveau des jouets Pat' Patrouille, on est quand même pas mal. Toute la famille passe, hein, le tonton, la mamie, le papy, les parents. Ils savent que les cadeaux pour Lior, c'est la Pat' Patrouille. C'est un grand jour pour Lior. C'est le costume de Ryder. Et c'est toi, Ryder? Ouais. On l'essaye ensemble. Hop. Déguisé comme son héros, c'est à Paris qu'il découvre le dessin animé. Les avant-premières dans toute la France ont attiré 175 000 spectateurs. Un chiffre exceptionnel. Il y a une très bonne morale à la fin. Là, quand j'ai posé la question à mon fils, à savoir s'il a aimé ou pas, il m'a dit que oui. Et ce qu'il a retenu, c'est que même si on est petit, on peut y arriver. Je voudrais voir le 3. La super Pat' Patrouille semble déjà promise à un super avenir. Avec un petit truc en plus. Go! Départ en mode roquette. Il a dit croquette. Non, j'ai dit roquette. Oh. Go!